C'est parti pour Excelia et moi, cinquième épisode. Première question. L'audace, oser toujours. Excelia, c'était une école au bout du monde qui devient un des centres du monde. Pour moi, le mot qui représente plus Excelia, c'est le mot famille. J'ai été étudiante chez Excelia il y a quelques années. Je suis partie une année de césure aux États-Unis et j'ai rencontré mon mari pendant cette année-là. Maintenant, on a deux beaux enfants et pour moi, voilà, Excelia, c'est le démarrage de ma famille et de ma vie personnelle. What that represents Excelia for me is a radical disruptor. It created a space for itself with its unique offers in a world of already existing business schools. Le mot qui me vient immédiatement, c'est international. Et c'est une forme de déformation professionnelle, évidemment, puisque depuis plus de 20 ans, je travaille toujours de près ou de loin avec l'international. C'est vraiment ce qui me meut le plus dans ce travail. Si je devais décrire Excelia en un seul mot, ça serait le mot cohésion. On a une école de business, on a une école de digital, une école de tourisme. On peut découvrir en fait plein de choses différentes. On peut aussi aller en association, et c'est pour ça que j'adore les associations, et faire des projets vraiment divers, et aussi découvrir des gens d'une autre école que la nôtre. Mon tout premier souvenir avec Excelia, c'est en tant que candidate. J'étais venue passer les oraux à l'époque, quand c'était encore Subdeco. Bon, mon choix a été fait avant même de venir à l'école, mais ça l'a concrétisé. Et après, j'ai un premier souvenir en tant que salariée. Le jour où je suis arrivée, mon chef à l'époque m'invite à prendre un café pour démarrer et on croise Guillaume de Saint-Louvent à la cafette et qui me dit « Ah ben, vous avez fait le CIA, vous !» Donc le comité d'intégration, et je me suis dit « Ben voilà, j'ai marqué les esprits en tant qu'étudiante. » C'était le moment où je suis arrivé, mon premier jour à la Digital School. On avait des profs qui étaient vraiment proches de nous, on avait des cours qui étaient vraiment bien, et d'année en année, on a augmenté. La Digital School, elle a grandi, donc c'est ça qui est trop bien, quoi. That would have to be the day of my recruitment interviews, because I felt that all the directors that I met were very humane, very concerned about my well-being and how I was settling in La Rochelle. It was something. Mon premier souvenir, c'est les gens, les collègues, ceux qui m'ont accueilli dans le service où j'ai commencé. À l'époque, c'était le programme Bachelor International. J'ai été accueillie par des collègues chaleureux, pour certains qui venaient de l'international eux aussi. Certains sont toujours collègues aujourd'hui à Excelia, d'autres en sont partis. Mais j'ai toujours une très chère amie avec qui j'ai commencé ici il y a 23 ans. Alors, il y a 16 ans, donc, j'étais directeur commercial et mon premier souvenir, c'est une équipe très soudée qui m'a accueilli à mon arrivée et qui m'a appris tout ce qu'il fallait que je sache à mon arrivée. I felt that most of these experiences were during the crisis situation. What I felt was how well Excelia was taking care of the well-being of its employees, how much they were invested. That meant a lot to me. L'expérience la plus marquante avec Excelia, c'était enseigner. Comment ne pas enseigner dans une école? Donc je m'en souviens à double titre, d'abord parce que quand on enseigne, on apprend deux fois, et ensuite parce qu'on développe des relations privilégiées avec les étudiants, que je suis pour certains d'ailleurs toujours dans leur vie professionnelle. Ce qui était frappant, c'était le confinement. J'ai été chargée pendant plusieurs jours d'appeler au téléphone une centaine d'étudiants internationaux qui étaient confinés ici à La Rochelle pour voir s'ils allaient bien, leur apporter un peu de réconfort. Et j'ai aussi en mémoire précisément le cas d'un étudiant qui venait du Vanuatu, aux antipodes de la France, et qui malheureusement a perdu son père pendant le confinement. Je l'ai aidé à essayer de rentrer dans son pays par un vol diplomatique et malheureusement ça n'a pas pu se faire à temps pour les obsèques. C'est quelqu'un de... voilà, que je garderai toujours en tête et qui revient parfois nous dire bonjour. La découverte de la vie associative. La présidente du bureau des internationaux est venue dans la classe de première année de la Digital School et nous a présenté ce que c'était en fait la vie associative. Et donc c'est ça qui m'a permis après d'aller postuler là-bas et d'être pris. Et donc ça m'a permis du coup de découvrir ce que c'est la vie associative, faire plein de projets avec plein de gens différents, rencontrer aussi la direction de l'école, rencontrer aussi les gens qui travaillent à la vidéo à l'école. Et ça m'a permis de pouvoir tester plein de choses très tôt, de pouvoir manager des équipes très très tôt. Ça m'a changé tout simplement la vie en fait d'être en vie associative. En tant que salarié, j'ai commencé comme chef de promo sur le Master Grande École et donc je gérais le CIA des Master Grande École. Mon deuxième CIA, le vrai mien que j'ai recruté, c'était celui 2019. On a passé 6 semaines de concours incroyables et intenses. Et à la fin, je ne pensais pas que ça arriverait. Mais quand j'ai quitté toute cette équipe, on a tous pleuré. On avait vraiment passé une période de concours formidable. Et j'en garde un souvenir vraiment mémorable.
La chose la plus insolite que j'ai appris avec Célia, c'était le fait d'être acteur pour mon prof. Quand j'étais en cours, j'avais postulé pour être acteur dans une vidéo pour Excelia. Quand il est arrivé dans la salle, il était en train de parler du fait qu'il va faire un projet pour l'école, qu'il va filmer quelque chose et tout. Et en fait, on s'est rendu compte, en fait, on parlait du même projet et qu'on allait partir ensemble à Paris pour filmer en fait cette vidéo qui est trop classe. Et donc, c'était le meilleur cours de toute ma vie de vidéo. Alors, j'ai eu la chance de faire une formation interculturelle sur les pays d'Afrique subsaharienne. Et le formateur était passionnant et il nous a appris que dans ces pays, la notion de futur n'existe pas. Seul le moment présent compte et qu'on ne peut pas exprimer le futur. Et j'ai trouvé ça assez déstabilisant. Et ça nous a permis aussi à tous de comprendre certains comportements d'étudiants quand ils arrivent en Europe. Je ne sais pas si c'est très insolite, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a vécu une période Covid. On a fait tous nos événements en mode digital et notamment streamer sur YouTube. Ce qui m'a fait sourire, c'est que j'ai découvert après coup que j'étais une YouTubeuse hors pair parce qu'on est parti au Maroc rencontrer nos étudiants marocains et quand j'ai demandé à certains comment ils s'étaient renseignés sur Excelia, l'un d'eux m'a répondu « Mais je vous ai vu sur YouTube !» Alors à Excelia, j'ai appris à descendre en rappel le long d'une citadelle Vauban sur l'île d'Oléron. Quand j'étais directeur des Master of Science, nous avons organisé un moment fort d'immersion. Et nous avions organisé ça avec des anciens commandos de gendarmerie. Donc autant vous dire que tous nos étudiants et moi-même, on s'en souvient. Et le soir même, on présentait une pièce de théâtre qu'on avait réalisée en 5 heures devant toute l'école. Donc ce sont des moments forts qu'on n'oublie pas. The most unusual thing that I learned at Excelia is that it is completely normal and actually crucial for businesses to focus on sustainability, CSR, ethics. Which Excelia has in its DNA and which other schools are just catching up to. Alors Excelia, évidemment, depuis une vingtaine d'années, ne fait que grandir. Donc je lui souhaite de poursuivre son évolution, mais j'aimerais aussi qu'elle reste attentive à la proximité qu'elle a toujours eue avec chacun des étudiants et qu'ils arrivent à devenir chacun des adultes bien dans leur basket. Je souhaite à Excelia d'oser toujours, de continuer à avoir cette audace qui nous a permis de monter un par un tous les échelons finalement et à devenir l'école aujourd'hui qu'on connaît. Évidemment, je souhaite l'avenir le plus long possible à Excelia, qu'elle continue à grimper dans les classements comme aujourd'hui, qu'elle garde ses belles valeurs auprès de ses étudiants, auprès de ses salariés et pourquoi pas des campus partout dans le monde. L'avenir que je souhaite à l'école, c'est tout simplement de grandir un peu plus, que l'école ne perde pas ses valeurs en grandissant, et aussi qu'elle fasse venir beaucoup plus d'étudiants et qu'elle fasse trouver beaucoup plus de vocation, car c'est à ça que ça sert une école. C'est à réunir les gens, à faire grandir et aussi découvrir une vocation. I would say always be yourself, express yourself, and have faith in yourself, and allow us to do the same. Do not try to copy any other business school strategy. Be yourself, be unique.